Alors, en premier lieu, on avait envie, avec Monsieur Germain, de vous donner une définition des cyberattaques. Alors, hier, il y a eu notamment une étude qui est sortie, c'est une étude d'assureur, qui disait que 76% des PME et des ETI en France avaient subi l'année dernière une cyberattaque. C'était un sondage. Mais quand on demandait aux gens s'ils étaient capables de donner une définition, personne n'avait de définition claire. Donc, on va demander à l'ANSSI, qui est spécialisée, d'essayer de définir ce sujet et également le sujet de la résilience, ce qu'on entend par ce thème-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Ça marche ou pas ? Ouais. Alors, donner une définition, c'est simple. Hein. On peut dire que la cyberattaque, c'est une atteinte qui est portée de manière illégale ou illégitime ou contre la vie de son propriétaire sur un système d'information. Mais quand on a dit ça, bon bah c'est pas très utile. Et pour définir ce que c'est qu'une cyberattaque, ce que c'est que la cybersécurité, eh bien il faut en parler un peu, il faut donner un peu une image. Et d'autant plus que ça change tout le temps, puisque on est dans un environnement qui se digitalise et où il y a des tas de réseaux interconnectés qui occupent une place de plus en plus importante dans nos activités humaines. En général. La remarque que je pourrais faire en premier, qui me paraît importante, c'est que il y a quand on parle de cyberattaque, il y a un peu de sensationnalisme, il y a un peu d'écume qui apparaît tout de suite, qui intéresse, qui pose question, qui fait peur, et on peut, quand on entend parler de cyberattaque, on peut facilement tomber dans le catastrophisme. Je prends trois exemples, je suis allé chercher des exemples dans l'aéronautique. En 2013, il y a un chercheur en cybersécurité qui a dit qu'il était possible de pénétrer les systèmes d'information des cockpits d'avions et que c'était vulnérable. Alors ça a fait un peu... C'est paru dans la presse, tout le monde s'en est ému. Bon, on n'a jamais vu de preuve de concept, même de preuve tout court de ce genre de possibilités, même si théoriquement, évidemment, tout est toujours possible. En 2015, il y a un autre chercheur en cybersécurité qui a affirmé qu'il avait réussi à pénétrer l'entertainment system, le système de divertissement d'un avion de ligne. Alors c'est pareil, on a cherché, on n'en a pas trouvé la preuve. En tout cas, lui, il n'a pas fourni les éléments qui lui avaient permis d'affirmer ça, complètement en tout cas. Et puis... Pendant le Black Hat Meeting cet été au mois d'août aux États-Unis, il y a un chercheur en cybersécurité qui a affirmé qu'il démontrerait qu'il était possible de pénétrer les systèmes d'information d'un avion de ligne en vol en utilisant ses communications satellites. Alors moi j'attends ça avec impatience, on verra, c'est intéressant. Quand on entend ça, on se dit que c'est très grave, qu'on va tous mourir et qu'il ne faut plus prendre l'avion. Hein, et ça fait beaucoup parler. Mais en revanche, je vous dis juste ça parce que la cybersécurité, c'est d'abord un sujet, c'est d'abord un sujet de fond, c'est un sujet d'experts, c'est un sujet c'est un sujet industriel aussi, et c'est un sujet de sécurité. Et ça, c'est des choses qui se traitent en amont, et c'est pas seulement une histoire de murailles et d'attaquants qui essayent de franchir la muraille. Voilà. La cybersécurité, ça s'applique à des grands systèmes et à des architectures, à des comportements d'usagers, la sécurité des objets qui constituent ces systèmes, des chiffreurs, des routeurs, des trucs un peu techniques qu'on trouve dans les systèmes d'information. Et donc c'est un sujet de fond. Donc, pour répondre à qu'est-ce qu'une cyberattaque, je dirais, une cyberattaque, c'est toute activité qui viserait à mettre en défaut un système qui, à la fin, un ensemble d'activités qui convergent vers une sécurité optimale, précise, et en particulier dans l'aéronautique, qui essaye de porter atteinte à ce niveau de sécurité. Voilà ce que je pourrais dire. Et si on prend le cas d'une cyberattaque massive en France, est-ce qu'on peut répondre en disant ce qu'on entend par résilience ? Est-ce que c'est la façon de se protéger ? Est-ce que c'est la façon de remettre en marche les systèmes ? Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Alors, sur la résilience, si on prolonge ce que je viens de dire sur l'affaire de fond, la résilience, c'est tout ce qui va consister à essayer de faire en sorte qu'une attaque ne se produise pas, que les conséquences d'une éventuelle attaque
puissent être minimisées, que les systèmes attaqués puissent fonctionner en mode dégradé, et qu'en tout cas, l'attaque ne crée pas de situation irréversible et qu'on puisse redémarrer le système attaqué après l'attaque. Donc tout ça, ça s'anticipe avant, ça se pense en amont. Ça serait la définition de la résilience. Et en deux mots, puisque on sort un peu du sujet de l'aéronautique, en gros, en France, il y a quatre grands types d'attaques par finalité, je dirais. Il y a les attaques qui visent de cybercriminalité, donc qui visent à voler des données ou de l'argent par l'intermédiaire d'une rançon ou des données pour les revendre. Ça, c'est la cybercriminalité. Il y a des attaques de pollution, d'atteinte à l'image. Il y a des attaques d'espionnage. Bon, ça, c'est le plus vieux métier du monde. Ça existera toujours et on vit avec. Mais il faut s'en prémunir, il faut s'en protéger, mais ça existe. Et je dirais, à la rigueur, c'est presque ce qu'on ressent le moins. Et puis, il y a des attaques de sabotage, dont on sait depuis 2017 qu'elles sont possibles à grande échelle et qu'on peut même être victime de manière collatérale d'une attaque dont nous n'étions pas la cible initialement. Voilà, c'est ce qui est arrivé en Ukraine. Il y a eu une attaque sur les systèmes d'information ukrainiens qui s'est propagée par capillarité jusqu'en France, chez Saint-Gobain en l'occurrence. Voilà. Alors, je vais me tourner vers des spécialistes de solutions que sont Thalès. Alors, comme le disait Monsieur Darmon tout à l'heure, Thalès s'occupe de cybersécurité depuis que les télécommunications existent, finalement. Est-ce que vous avez, vous, constaté, du point de vue des entreprises, une augmentation de ce nombre d'attaques, un type qui aurait changé ces dernières années, et justement, comment on fait pour s'en protéger ? Moi, comme Monsieur Germain, je ne veux pas vouloir tomber dans le catastrophisme des chiffres, parce qu'effectivement, les statistiques additionnent des choses qui ne sont pas forcément comparables. Mais si on veut d'abord revenir à la raison et comment ça se fait que les cyberattaques vont grandissantes. Alors vous disiez, Thalès, depuis la nuit des communications, au début on chiffrait les communications qui étaient juste même des signaux de fumée. Donc effectivement, la cyberdéfense ou la cybersécurité, c'est vieux comme le monde. Évidemment, maintenant les systèmes sont beaucoup plus compliqués. On a depuis une dizaine d'années une nouvelle accélération dans l'environnement. Depuis une dizaine d'années, les communications explosent en termes de débit. Le cloud est quelque chose qui apparaît et qui rend la surface d'attaque plus importante. L'internet des objets, c'est un terme un peu barbare, mais des milliards, des dizaines de milliards d'objets interconnectés et souvent mal protégés. Le logiciel qui est absolument partout, ça explique pourquoi nos systèmes sont, si on ne se protège pas, intrinsèquement plus fragiles. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les trois grandes familles d'attaques, cyberpollution, généralement très gênant quand ça nous arrive, mais qu'elle n'a pas un vrai enjeu ou une portée stratégique, cyberespionnage, donc le vol ou la fuite de données, et là, on peut, sur une entreprise ou une administration, lorsque des données stratégiques, des données commerciales, des données techniques sont volées, ça peut devenir extrêmement pénalisant, y compris pour un État. Et puis leur cybersabotage, avec une attaque sur les systèmes opérationnels, les systèmes industriels, qui peuvent arrêter une entreprise. On l'a vu le cas avec TV5 Monde il y a quelques années, ou plus récemment, dans le cas d'entreprises qui ont été victimes collatérales de NetPetya ou de WannaCry. Donc, pour se protéger, les solutions de cybersécurité, elles ont quatre missions. Premier, c'est anticiper et détecter précocement la menace. Être capable à l'avance ou très vite de voir la menace et de voir le problème. Le deuxième grande mission, c'est freiner ou empêcher le passage à l'acte. Le passage à l'acte malveillant, donc la protection. Troisième, c'est aider à la prise de décision en cas d'ennui, en cas de problème. Le pire que rencontrent beaucoup de nos clients lorsqu'ils sont sous attaque, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. En fait, on est paumé. Quand on est paumé, quand on ne sait pas quoi faire, on fait des bêtises, en fait. Donc, être capable de gérer la décision très vite. Et puis, la quatrième mission, c'est l'intervention. L'intervention en cas de pépin, soit à distance lorsque ce n'est pas grave, ou alors directement chez nos clients lorsque l'attaque est très grave. Hein, donc, anticiper et détecter précocement la menace, freiner le passage à l'acte, accélérer la prise de décision et l'intervention proprement dite. Donc pour toutes ces choses-là, il y a différents types de solutions. Que ce soit tout simplement une hygiène informatique, mettre à jour ses mots de passe, mettre à jour ses serveurs, ses logiciels, ça a l'air de rien, mais c'est en fait la première règle.
Après, des solutions, je dirais, physiques, hein, de chiffrement, de protection ou de logiciels qui sont cybersécurisés dès leur conception. Et puis, il y a beaucoup de services. On fait beaucoup appel à des entreprises, alors comme Thales ou comme d'autres, qui font un vrai service de consulting amont, d'analyse de vulnérabilité, de définition de politique de sécurité. Quelles sont les données qui sont critiques, quelles sont celles qui le sont moins. Et puis de surveillance. Surveiller l'état de sécurité d'un système permet très précocement de détecter un risque ou une attaque et d'intervenir en cas d'attaque. Alors là, on est resté un peu général sur les questions, on va dire, de cybersécurité pour toute l'industrie. Mais en ce qui concerne exactement le transport aérien, qui est quand même un sujet qui est à la fois particulier, qui est aussi objet de fantasmes, quel est exactement le rôle du Conseil de cybersécurité du transport aérien dont vous êtes le président, M. Gandil, et quelles sont les menaces spécifiques qui concernent le transport aérien, justement ? Bon, sur le transport aérien, la menace, je dirais, emblématique, pour ne pas dire journalistique, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la prise de contrôle d'un avion de l'extérieur. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de réalisation de ça. On a eu de la communication qui visait à la prise de contrôle d'un simulateur, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un avion, et c'est pas protégé de la même façon. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nos grands constructeurs aéronautiques ont des équipes de hackers chez eux et passent leur temps à essayer de tester leur défense. Et d'autre part, en France, un organisme comme l'ANSSI le fait aussi et supervise tout ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais c'est quand même très, très, très surveillé. D'autre part, même si on prenait le contrôle d'un pilote automatique, ça ne veut pas dire que ça empêcherait de le déconnecter. La sécurité ultime, quand ça ne va pas, c'est autopilot out, et puis on pilote à la main, et ça marche très bien quand même. Donc, pour tout dire, même si on est très attentif à ça, c'est pas ça qui est la menace qui nous inquiète le plus. La menace qui nous inquiète le plus, elle ne va pas toucher un avion isolé. Elle va toucher un grand système. On a eu des exemples, un exemple historique, mais pas si vieux que ça, très politique, en 2016, au Vietnam, sur les deux aéroports d'Hanoï et d'Ho Chi Minh Ville, il y a eu une prise de contrôle de tous les affichages sur des raisons politiques, de contestation, de revendication territoriale sur des îles en mer de Chine du Sud. Mais indépendamment du message politique, de la gêne que ça pouvait représenter et tout, la conséquence, c'est qu'il y avait un message politique au lieu d'avoir l'affichage des avions, des horaires, des banques, des portes. Et donc, les deux aéroports ont été totalement mis en carafe pendant tout le temps cette opération. Ça donne une bonne idée de ce qui peut arriver. Toucher au processus d'affichage, toucher au processus d'enregistrement des passagers, toucher aux bagages sur un gros aéroport, ça va créer une telle pagaille qu'il faudra des heures, peut-être des jours, pour arriver à revenir dans la situation initiale. Il n'y a aucun risque pour personne, il n'y aura aucun mort ni quoi que ce soit, mais il y aura plus que des pertes financières, mais aussi des gens qui devaient prendre l'avion pour aller signer des contrats, pour, que sais-je, aller à un mariage, à un enterrement, enfin tout un tas d'occasions de la vie, et sur lequel, dans un aéroport comme Roissy, un jour pas extrêmement chargé, c'est quand même 150 000 passagers. Imaginez la désorganisation que ça peut représenter. Autre exemple, on a eu il n'y a pas très longtemps une panne, c'est-à-dire qu'on a une assez forte certitude qu'il n'y avait aucune intention malveillante sur le système des plans de vol de recontrôle. Bon, pendant à peu près une demi-journée, il n'y avait plus de plans de vol qui fonctionnaient en Europe. Et ça fait beaucoup de plans de vol, l'Europe. Hein. Ça s'est arrêté, mais on avait fait il n'y a pas très longtemps un exercice, heureusement un exercice cyber de ce type, une panne un peu plus sérieuse sur des nœuds de communication que je ne détaillerai pas évidemment, on arrivait à deux jours et demi de blocage du système, c'est-à-dire la moitié
de l'effet des cendres du volcan islandais Eyjafjallajökull, dont on a énormément parlé. Il y a même eu un film tellement c'était extraordinaire. Bah, on peut faire la moitié de cet effet avec un problème cyber ordinaire. Alors, je parle à dessein de problème cyber parce qu'il n'y a pas que les attaques ciblées contre telle ou telle action. Il y a aussi les virus qui circulent. Alors, c'est malveillant de faire circuler un virus, mais ça ne veut pas dire qu'on a attaqué spécifiquement telle ou telle entreprise. Là-dessus, c'est lancé dans la nature, et puis ça tombe ou ça tombe pas. Et puis, il y a les pannes ordinaires, parce que ces appareils, en plus, quelquefois, tombent en panne. Tout ça crée, au total, une très grande fragilité. Il faut qu'on s'en protège. Il faut qu'on s'en protège d'abord par des mesures élémentaires, toute l'hygiène informatique, les mots de passe, tout ce genre de trucs, le chiffrement, etc. Mais enfin, si on n'est pas sérieux là-dessus, ça se venge. Et puis, après, il y a ce qui a été décrit juste avant moi, c'est-à-dire les systèmes de surveillance, les SOC, etc. Tout ça est nécessaire et nous devons nous protéger. Et le risque est toujours là où on s'y attend pas. C'est-à-dire que les très gros problèmes, on les surveille. Mais l'Internet des objets, comme ça a été dit, ça c'est beaucoup plus dangereux. Le fait qu'il y ait un branchement uniquement pour des raisons de télémaintenance et des choses comme ça, mais qu'il n'y ait pas un branchement opérationnel tous les jours, ça peut être une zone de grand danger. Quand on imagine à tous nos systèmes de clim, de portes variées, etc., évidemment, tout ça est connecté. Alors, pourquoi on a créé le Conseil cyber ? Ben, c'est à cause de ça. C'est que les grands acteurs font à peu près ce qu'il faut pour se protéger. Mais qu'est-ce qui se passe aux interfaces ? Et là, il y a des risques particuliers. Et on est sur un système qui a un très grand nombre d'entreprises et de types d'entreprises. Et il faut absolument essayer d'avoir une vision globale. Et donc, on avait déjà fonctionné en trait collectif sur le Conseil des drones, en associant toutes les parties prenantes pour faire évoluer à la fois la réglementation et les opérations et la technique. Et bien, on a voulu faire exactement la même chose sur le cyber, en ayant les différents types d'acteurs autour de la table, les aéroports, les compagnies aériennes, les avioniciens comme Thalès, le monde de la sûreté, etc. Et puis aussi le monde de l'administration, certes la DGAC, mais surtout l'ANSI, et essayer de chercher les lieux dangereux qui sont les failles d'interface dont chacun ne se sent pas forcément responsable et où finalement on peut avoir des attaques. C'est ça le Conseil cyber. Alors justement, j'aimerais bien revenir sur la question de la menace avec l'ANSI. Comment est-ce qu'on l'analyse ? Qui sont aussi les ennemis ? Est-ce que ce sont des pays ? Est-ce que ce sont des personnes ? Est-ce que ce sont des robots ? Quels sont les processus qui sont mis en place justement pour la déterminer et la contrer ? Alors, les attaquants... Alors, je vous ai parlé des quatre types d'attaques. Je peux vous donner une petite typologie de quatre types d'attaquants. Les attaquants, ce sont d'abord des gens qui veulent s'enrichir, des criminels, qui vont aller chercher sur les réseaux des informations pour les revendre, qui vont chiffrer des réseaux, qui vont demander une rançon en échange. Et en plus, ils font ça bien, c'est-à-dire que vous êtes une petite PME avec 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 11 employés, le matin vous arrivez, tout est chiffré. Et puis l'attaquant vous demande de lui verser 250 euros en bitcoin pour voir son système déchiffré. La tentation, c'est quand même très rapidement de payer les 250 euros, parce que c'est pas cher, et d'espérer que le système sera déchiffré. Ce que préconise l'ANSI, bien sûr, c'est d'aller voir les gendarmes, de porter plainte, et puis de restaurer son système, éventuellement en faisant appel à un prestataire de service, avec la sauvegarde qu'on aura fait la veille. Voilà, ça, c'est les criminels. C'est les criminels. Alors, il y en a beaucoup, des petites attaques comme ça. Ça rentre peut-être dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, qui disaient qu'il y a 76% des PME qui ont été attaquées. Voilà. Il y a des tas de gens qui subissent des atteintes. Il y a des chiffres très anxiogènes. La criminalité, ça en fait partie. Il y a aussi un chiffre qui dit qu'il y a 50% des banques en Angleterre qui ont... Il y a une enquête de The Economist qui dit qu'il y a 50% des banques qui ont déjà été victimes d'attaques importantes et qui ont été pénalisées, donc ont perdu de l'argent, qui se sont fait voler des données. Voilà. Donc,
ces choses-là, c'est très difficile d'en avoir une évaluation, parce que d'abord, quand quelqu'un est attaqué, la première chose qu'il fait, c'est qu'il n'en parle pas, pour pas que ça porte atteinte à sa clientèle, à son cours de bourse, voilà. Et puis les autorités étatiques ou de contrôle qui interviennent sur ces sujets sont tenues au secret pour pas créer un suraccident et pour pas pénaliser les victimes encore plus. Donc évidemment, quand l'ANSSI intervient sur un événement, eh bien, on n'en parle jamais. Et on n'a pas le droit d'en parler. On a à peu près 20 attaques par an sur lesquelles on intervient, puisqu'on a une mission de défense des opérateurs d'importance vitale. Il y a à peu près 250 opérateurs d'importance vitale en France. On gère à peu près 20 attaques par an. Des vraies attaques avec des victimes qui perdent des choses, qui sont en situation difficile. Voilà. Et vous n'en avez probablement pas entendu parler. Sauf celle de Saint-Gobain, qui n'est d'ailleurs pas un opérateur d'importance vitale, mais quelquefois vous entendez des bruits, mais globalement on n'entend jamais parler. Donc ça, c'est la criminalité. Alors je reviens sur... Là, j'ai fait une digression sur les attaques, mais voilà. Le premier type, c'est la criminalité. Le deuxième type d'attaquants, ce sont des concurrents malveillants. Ça existe. Qui vont essayer d'aller ralentir l'activité de leurs concurrents à un moment délicat. Ce sont aussi des activistes qui vont utiliser les réseaux pour aller porter atteinte à la réputation de leur cible. Ça se produit... Pas que dans le cyber, ça se produit ici dans les assemblées générales de telle ou telle grande entreprise, ça se produit dans le monde physique aussi. Et puis enfin, ce sont des États ou des organisations criminelles qui peuvent travailler pour des États et qui mènent des actions lourdes pour servir des intérêts qui sont les leurs, qui sont géopolitiques, internationaux. Voilà. Voilà la catégorie des attaquants. Que nous, on a typologisé comme ça pour un peu les retrouver. Et après, il peut y avoir des croisements. Voilà. Et alors, justement, cette menace que vous avez décrite, elle peut aussi venir éventuellement de l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait dans les entreprises pour se prémunir à la fois du risque personnel d'une personne malveillante, pour se prémunir aussi des risques qui sont amenés par des sous-traitants ou par des petites entreprises qui vont travailler sur des aéroports? Je demande à Thalès... En tant qu'industriel, quelles sont les solutions qu'elle offre ? Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est le sujet de la prise de conscience. Alors, l'ANSSI fait un très grand boulot d'évangélisation pour que la réalité de la menace soit bien comprise. Mais alors, vous disiez, Monsieur Germain, tout à l'heure, les gens qui sont attaqués ne le disent pas parce que ça peut jouer sur leur cours de bourse. En fait, depuis quelques années, on voit une très grande différence puisque, en fait, tout le monde est attaqué ou risque d'être attaqué. Il y a quelques années, dire qu'on était attaqué est une preuve de fragilité. Aujourd'hui, reconnaître qu'on est attaqué, c'est une preuve de maturité. Puisqu'en fait, on est quasiment tous attaqués. Et donc, sans rendre compte, expliquer qu'on l'a réalisé et qu'on se protège, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est plutôt une preuve de maturité. Et donc ça, c'est un vrai changement. Et donc ça veut dire que c'est la prise de conscience des entreprises, des comités exécutifs, des conseils d'administration qui mettent beaucoup de pression sur le sujet. En fait, si on veut comparer la cybersécurité, la protection contre une cyberattaque, c'est un peu comme une assurance automobile. En fait, le coût de l'assurance est beaucoup moins cher que le coût de l'accident. Pour autant, si nous n'étions pas obligés de nous assurer pour notre voiture, je pense qu'il y aura la moitié des gens dans cette salle qui ne s'assureraient pas. Et donc on est obligé d'avoir un certain niveau de réglementation, des régulations pour protéger nos opérateurs d'importance vitale, nos grandes entreprises et nos PME. Et dans les solutions pour la cyberdéfense, il y a des solutions techniques, celles que j'ai décrites tout à l'heure, mais aussi une action de régulation, de loi pour imposer aux gens un certain niveau de protection. Ça, c'est quand même extrêmement important parce que en France, puisque le trafic aérien, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de mondial, d'européen. Mais en France, on fait beaucoup. On fait plutôt plus que dans beaucoup d'autres pays. Et parmi les choses qu'il faut qu'on se dise tous, il ne faut surtout pas baisser la garde. Il ne faut surtout pas niveler par le bas le niveau important de régulation et de travail, celui que vous citiez, M. Gandil, tout à l'heure, des grands constructeurs qui se surveillent régulièrement. Il ne faut surtout pas baisser par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et en régulation et en action. Alors justement, M. Gandil, en ce qui concerne le transport aérien, quels sont les processus qui ont été mis en place ou les éléments de réglementation qui sont présents pour éviter une cyberattaque qui aurait les conséquences que vous avez décrites tout à l'heure ?
On n'a pas encore beaucoup de processus horizontaux. On est plutôt... D'abord, on est dans un monde de techniciens, on est dans un monde d'ingénieurs. Donc, on n'a pas foncé sur la réglementation. On a d'abord essayé de foncer sur le problème et les solutions, avec tout l'arsenal des solutions, depuis des mots de passe bien faits jusqu'à des supervisions du système. Aujourd'hui, je vois le cas de la navigation aérienne qui est directement sous mon autorité, qui est un opérateur d'importance vitale. On est très attentif au fonctionnement du système. On a notre propre supervision de sécurité interne qui fait un certain nombre de tests. Et l'ANSSI vient nous voir périodiquement et en fait aussi. Donc c'est comme d'habitude en aviation. On a des règles de sécurité et on supervise la bonne application de ces règles de sécurité et on teste ces règles de sécurité. Et puis, dernier élément, au moindre problème, on fait un retour d'expérience. Toute l'aviation a évolué autour de la notion de retour d'expérience. On ne peut pas éviter qu'il y ait une fois l'accident auquel personne n'avait pensé parce que c'était un scénario improbable. Simplement, une fois oui, deux fois non. Et donc, retour d'expérience, réanalyse. Bon. Ça, c'est un système général qu'on retrouve dans toute l'aviation et qu'on retrouve aussi pour la partie cyber. Là où je pense qu'on a la partie à risque, c'est surtout les problèmes beaucoup plus gestionnaires sur lesquels on n'a pas la même sensation de sécurité. Parce que, comme je disais, ça ne tuera personne. Mais en revanche, on peut perdre beaucoup d'argent là-dessus. Là-dessus, je pense qu'on n'est pas meilleur que dans d'autres grandes entreprises ou dans d'autres grands systèmes. Et il faut qu'on se protège. Et actuellement, on essaie de faire des travaux un peu systématiques. Et on trouve parfois des grosses failles, qu'évidemment, je ne vais pas vous décrire maintenant, dont aucune n'est une faille de sécurité, dont aucune ne met en péril quiconque. Mais en revanche, comme je disais, ça peut nous créer la pagaille dans tel ou tel secteur. Et il faut qu'on ait le sérieux de passer du contrôle de sécurité au contrôle de robustesse et de régularité de tous nos systèmes gestionnaires, parce que le gros pépin viendra d'un petit truc marginal auquel personne n'a pensé, et notamment de toute la logique de l'Internet des objets. Alors, si vous paralysez, par exemple, des portes automatiques dans un aéroport, c'est pas très dangereux, mais ça marche moins bien. Alors, justement, pour se prémunir contre ces failles auxquelles on ne pense pas forcément, est-ce qu'il y a des éléments de process ou de régulation, de réglementation qui sont préconisés par l'ANSSI ? Comment est-ce que vous travaillez, justement, pour combler ces failles avec les entreprises ou avec les personnes ? Alors, j'ai parlé de la mission de défense de l'ANSSI, et comme vous le soulignez, il y a aussi une dimension de prévention dans la sécurité. C'est la deuxième mission de l'ANSSI, la troisième étant la sensibilisation dont a parlé M. Dermont tout à l'heure. Dans la mission de prévention, c'est essentiellement de la régulation, de la réglementation, de la certification de produits de sécurité, de la qualification de prestataire de services. L'ANSSI défend l'idée, finalement, la France défend l'idée qu'on doit répondre aux besoins du marché, en particulier des opérateurs d'importance vitale, de pouvoir disposer d'une offre de sécurité de très haut niveau. Et donc, c'est pour ça que l'ANSSI délivre des visas de sécurité sur des produits, sur des prestataires, sur des systèmes parfois, pour permettre aux opérateurs d'importance vitale d'utiliser ces produits et ces prestataires. Et d'ailleurs, la loi de programmation militaire de 2013 oblige les opérateurs d'importance vitale à faire appel à des prestataires qualifiés dans certaines conditions et à utiliser des produits certifiés. Donc ça, c'est la sécurité amont. Voilà. Et puis, il y a tous les audits qui sont faits sur les opérateurs d'importance vitale, mais qui peuvent être faits sur des opérateurs autres que d'importance vitale. Toutes les entreprises, finalement, peuvent, si elles ont les moyens, peuvent se permettre de faire appel à des auditeurs qui viendraient analyser leur réseau pour essayer de faire ce travail amont qui est réglementaire pour les opérateurs d'importance vitale, qui est imposé. Et ces travaux, finalement, ils permettent
de mieux architecturer, de mieux sensibiliser les administrateurs du réseau, de cloisonner les espaces du réseau qui permettent par exemple à une attaque qui se produit dans un compartiment de pas se répandre n'importe comment et très vite dans un autre, un peu comme un bateau qui est compartimenté pour éviter de couler s'il y a une partie de la coque qui est percée, d'être complètement inondé tout de suite. Et puis, ça permet aussi de mettre en place des politiques qui permettent d'inciter les usagers du réseau à avoir un comportement qui soit pas irresponsable. Voilà. Sachant que on considère encore, nous à l'ANSSI, qu'il y a 80% des attaques qui ont pour origine une défaillance humaine. Donc on travaille aussi sur la sensibilisation, sur les guides. Il y a sur le site, je vais pas détailler parce que ça serait trop long, mais allez sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, vous avez plein de guides, c'est très bien fait, ça explique bien tout ça. Tout ça, c'est libre de droit, vous pouvez tout prendre, et ça sert aux entreprises, aux gens qui se donnent la peine d'essayer de mettre en œuvre, d'élever le niveau de sécurité de leur réseau, ça sert à sensibiliser, voire former, il y a même un cours en ligne, un MOOC, à sensibiliser et à former les usagers du réseau, pour qu'ils soient plus responsables et plus efficaces. Et ça dépasse l'histoire du mot de passe ou du petit fichier sur lequel on ne doit pas cliquer quand on reçoit un mail bizarre. Ça, c'est évident, mais derrière, il y a d'autres choses. Voilà. Oui, si vous permettez, pour compléter, moi, j'aurais voulu apporter une réponse technologique à la question comment faire pour se protéger contre des attaques non identifiées. Et en prenant un exemple et de ce que peut apporter l'intelligence artificielle, un mot très à la mode, mais je vais essayer d'être pédagogique. On a beaucoup d'entreprises, alors on a ça chez Thales, ce qu'on appelle un SOC, ça a été cité tout à l'heure, c'est un Security Operations Center, c'est une sorte de tour de contrôle, de surveillance de la sécurité pour nos clients qui sont connectés à notre système de surveillance et donc qui détectent des milliards d'informations informatiques et qui identifient là-dedans des attaques. Parmi les attaques qui sont identifiées, c'est celles qu'on attendait, qu'on surveillait. Et puis, il faut être capable de redétecter aussi des attaques qui n'étaient pas identifiées, qui n'étaient pas répertoriées, qui apparaissent pour la première fois. Généralement, d'ailleurs, pour des failles qui, elles aussi, apparaissent pour la première fois. On appelle ça des « zero day ». Alors, comment faire pour détecter une attaque qu'on n'avait jamais identifiée ou jamais anticipée ? L'intelligence artificielle peut être là pour nous aider. L'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui permettent d'apprendre comme un humain. Et notamment de détecter, en l'occurrence, des comportements anormaux sans qu'on ait eu besoin de lui dire à l'avance qu'est-ce que ça veut dire anormal. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce tout nu, c'est anormal, on serait tous en train de réagir, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors que si on avait voulu faire la liste des choses anormales qui pouvaient arriver, on n'aurait sûrement pas cité cet exemple. L'intelligence artificielle donc permettrait, dans un système de tour de contrôle, et c'est ce que l'on implémente nous chez Thales, permettrait donc de détecter un phénomène anormal sur un système informatique, parce qu'il a progressivement appris ce qui était normal et anormal, et détecte là quelque chose qui n'est pas normal, sans qu'on ait eu besoin à l'avance de lui dire tout ce qu'il voit surveiller et tout ce qui est anormal. Et donc, d'une façon générale, la technologie, elle progresse très vite, l'intelligence artificielle, le traitement Big Data Analytics, tout ça, ce sont des éléments technologiques qui enrichissent nos solutions de cybersécurité et qui permettent d'être de plus en plus performants, et notamment, comme on le voit là, de détecter des attaques qui sont de plus en plus sévères, mais parfois surtout qui apparaissent pour la première fois sur une faille qui apparaît pour la première fois. Merci. Alors, juste une dernière question pour conclure, avant de donner la parole aux questions. Est-ce que vous pensez que la France est bien préparée, finalement ? Est-ce que les investissements ont été bien faits ? Est-ce qu'on est plus ou moins bien préparé que d'autres pays ? Quelle est votre impression dessus, notamment M. Gandhi, là, en ce qui concerne le transport aérien ? C'est le mot « impression » et le bon. Je n'ai pas de statistiques particulières sur ce genre de choses. Pour essayer de répondre à la question de la table ronde. Je vois que quand on a des phénomènes collectifs qui nous viennent au niveau européen, on fait partie de ceux qui réagissent rapidement. Et je pense que grâce à l'ANSSI, nous avons une méthode d'action qui est spécifiquement ciblée là-dessus. Et grâce aux méthodes de sécurité de l'aviation, plus particulièrement sur les process de sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne touche pas tout, on a aussi une méthode assez systématique d'action avec la règle, voire la certification, la supervision et les retours d'expérience.
Et c'est quand même une méthode puissante qui a amené sur la partie sécurité, aviation, à un niveau qui ressemble à peu d'activités humaines. Donc je, tout ça me fait penser que on est sans doute parmi les pays pas trop mal protégés. Mais dire qu'on est sans doute parmi les pays pas trop mal protégés, c'est pas formidablement rassurant. C'est heuristique, il vaut mieux considérer qu'on n'est pas trop mal protégé que de se dire que c'est la Bérézina, mais ça veut surtout dire qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester, on vous passera un micro. Non ? Alors, on a été super clair, c'est vraiment génial de laisser aucun point fini. Moi, j'aurais... Alors... Si vous pouvez vous présenter éventuellement. Merci. Bonjour, Stéphane Lapalue, Air France KLM. On a un mouvement assez fort sur l'open source actuellement. On a vu récemment Microsoft qui a racheté GitHub. Est-ce qu'il y a des risques au niveau de l'open source et comment se prémunit-on d'éventuelles attaques qui seraient très, très difficiles de détecter, voire invisibles pendant un certain temps liées à l'open source? Je pense que c'est une question pour l'ANSSI. Et pour Thales, peut-être, en deux parties. Bon, l'avantage des produits open source, c'est que tout est transparent et que tout le monde peut les vérifier, que la communauté des gens qui travaillent sur la cybersécurité peuvent vérifier, peuvent identifier des failles, les faire connaître, et le système s'améliore de lui-même, je dirais. Alors qu'un système fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il peut être défaillant. Donc c'est toujours mieux de s'appuyer sur des dispositifs open source. Surtout, et puis après, il faut les faire certifier, il faut en qualifier la qualité. Voilà. Alors, pour répondre, j'ai du mal à identifier la manière dont je pourrais répondre à cette question qui est un peu large spectre. Mais, Juste pour rajouter que c'est pas parce que c'est open source que c'est plus dangereux. Je dirais presque au contraire. D'abord, parce que si on veut le certifier, on peut le certifier, on sait tout ce qu'il y a dedans. Et puis, comme le disait M. Gandhi, il n'y a pas que des risques de cyberattaque, il y a des risques de bugs, tout simplement. Et que dans la communauté open source, paradoxalement, comme il y a beaucoup plus de gens qui testent, il y a généralement beaucoup moins de bugs. Donc l'open source n'est pas du tout un risque particulier. Alors, évidemment, il faut être très prudent, il faut des certifications, on ne peut pas prendre quelque chose d'open source sans s'assurer qu'il a bien été regardé, creusé par les autorités nécessaires, mais au moins on peut le faire. Beaucoup plus que des systèmes fermés. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie, si vous voulez compléter. J'aurais voulu juste dire une chose qui, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, on parlait de la France en Europe et de la place qu'on a dans la cybersécurité par rapport à nos partenaires. La réalité, c'est que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. C'est ça qui est important, parce que on a une bonne école de mathématiques, on a des bons ingénieurs, et on a mis en place tout un dispositif. Alors on a un pays centralisé, c'est plus facile peut-être qu'ailleurs, mais qui est quand même qui est en avance avec ce que font les Allemands et les Anglais, qui est en avance sur ce que font probablement la plupart de nos partenaires européens. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Stéphane Baranski d'Aérospatium. On a parlé tout à l'heure de l'Internet des objets, du cloud. Moi, je vois arriver les constellations avec une multiplication exponentielle des connexions et de la connectivité. Donc, constellation de satellites. Constellation de satellites. Donc, je vois la menace... certaine manière, grandir de manière exponentielle. Est-ce que cela veut dire que votre secteur, lui aussi, doit grandir de manière exponentielle pour la contrecarrer? En tout cas, pour ce qui est de l'industrie de la cybersécurité, c'est sûr qu'on a une croissance importante. À mon sens, je ne voudrais pas faire le géniard de service, mais à mon sens, une croissance qui est inférieure à la croissance de la menace.
Effectivement, on devrait encore avoir plus de croissance compte tenu des besoins. Mais vous avez raison, je l'ai cité tout à l'heure, donc vous avez cité les constellations, mais entre les débits des télécommunications, les interconnexions, notamment avec l'Internet des objets, le cloud public, le cloud privé, les clouds hybrides, et la valorisation des données, puisqu'en fait, on va avoir de plus en plus aussi de modèles d'activité orientés autour de la donnée. La donnée, c'est l'or noir du 21e siècle. Les big data analytics vont être capables d'exploiter la donnée et de catalyser des tas de potentiels sur ces données dans les années qui viennent. La menace grandit. Comme on le disait, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, que ce soit les autorités ou les industriels. Je trouve personnellement effectivement que la croissance du marché de la cybersécurité, elle est soutenue, mais elle pourrait l'être encore plus si la prise de conscience était totale. Moi, j'ai envie de vous répondre que ce qui est en marche aujourd'hui, c'est la digitalisation des activités humaines, qui a un impact sur l'ensemble du fonctionnement de nos sociétés, sur notre exposition, sur l'exposition de nos propres données personnelles, de manière différente de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et à une évolution de culture et de fonctionnement de l'ensemble des activités humaines. Et cette digitalisation, elle s'appuie sur trois grands piliers, l'intelligence artificielle, la gestion des données en grande quantité, le big data, et la cybersécurité. Ces trois choses sont corrélées, elles vont ensemble. Vous n'imaginez pas prendre votre voiture aujourd'hui, une voiture sans clignotant et sans frein, parce que les organes de sécurité sont presque consubstantiels, je dirais, à l'ensemble du système. Cette digitalisation... la marée monte, elle arrive de partout, et en plus, avec, comme vous le disiez, avec les objets connectés, le cyberespace, l'espace concerné grandit. Et cet espace, il est nouveau, il est un peu vierge, on doit l'urbaniser, on doit l'organiser, et c'est ça le grand défi finalement de la digitalisation. Et c'est plus large que juste celui de la cybersécurité. C'est un peu la conquête de l'Ouest, mais on ne sait pas encore où est la côte Ouest, parce que ça n'arrête pas de grandir. Donc les défis sont énormes, ça concerne tout le monde, et la cybersécurité, tout ça, c'est pas un handicap qu'on doit porter avec soi en se disant on a un truc de plus à faire, c'est vraiment un risque systémique qui va s'enraciner dans notre culture et dans nos activités, comme un espèce de substrat dans lequel on baigne de plus en plus. Merci à tous nos intervenants. Alors on va rester dans le domaine de l'intelligence artificielle avec la start-up Filebox AI qui vient se présenter. Et qui a 3 minutes. Bonjour à tous. Donc effectivement, il a été beaucoup question de cybersécurité, intelligence artificielle. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution pour déployer des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle de façon sécurisée. En particulier, on est aujourd'hui présent chez Aéroports de Paris, ce qui nous vaut d'être présent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait chez eux? On travaille sur un réseau fermé qui est celui du système de tri-bagages, à la fois pour prédire le nombre de bagages qui va passer dans le système jusqu'à une semaine à l'avance, en utilisant un modèle qui est entraîné sur un historique de données et des données contextuelles des opérations du tri-bagage. Et puis également, on les aide à optimiser la façon dont la maintenance est faite sur ce système, qui est un système complexe avec près d'1 million de pièces, des 50 km de convoyeurs, etc. Donc, pourquoi Filebox est capable de répondre aux enjeux d'un acteur comme ADP sur un tel système? On est une société qui a été créée en 2011 avec une solution qui est utilisée de façon opérationnelle depuis 2014 et on est présent sur 4 continents. Historiquement, on s'est plutôt développé dans le monde du pétrole et c'est ça qui nous a amené en fait à travailler sur des problématiques de faible connectivité et qui nous a amené à développer une capacité à développer des modèles de façon sécurisée. Donc pour ce type d'environnement. Si bien qu'aujourd'hui, on a une triple compétence, à la fois une connaissance de pointe en mathématiques appliquées, data science, pour le développement des modèles, également une très forte compétence au niveau informatique pour leur déploiement. Et puis, notre solution, elle s'adresse avant tout à des opérateurs. Elle a été créée à partir du terrain. Le fondateur était... responsable du monitoring de centaines de puits dans un pays d'Afrique avant de créer la société, et c'est de là qu'est né le besoin.
Et du coup, on a développé une solution qui facilite à la fois l'acquisition des données, puisque effectivement, c'est totalement clé pour pouvoir entraîner des modèles, leur apprendre quels sont les signes distinctifs, les relations entre différentes variables. Dans un deuxième temps, on a ce qu'on appelle un data studio ou un studio d'intelligence artificielle qui permet de coder les modèles avec les langages appropriés, principalement Python, et qui permet de maîtriser les flux de données pour exécuter les modèles et les servir aux opérateurs dans les bonnes conditions. Et enfin, une fois qu'on a ces modèles qui sont entraînés, on va les servir de façon sécurisée, donc éventuellement en les laissant tourner de façon autonome, comme c'est le cas chez ADP, pour limiter effectivement les risques liés à la connectivité ou aux appels réseau. Donc on est une société basée à Bordeaux, d'une trentaine de personnes, autofinancée, profitable. Et on travaille également dans le monde pétrolier avec par exemple Total. Et également, plus récemment, on a fait un cas d'usage sur la maintenance prédictive pour les escaliers mécaniques pour les gares SNCF. Merci beaucoup. Juste une chose, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom ? Ah pardon, Clément Collignon. Et vous êtes Et je suis chargé du développement chez Fieldbox AI. Merci beaucoup. Pas Fieldbox, Fieldbox. Bah, je tiens à remercier encore nos intervenants. Merci d'avoir été là pour cette table ronde. Bonne journée.